Recette de légumes très provençale, c'est les artichauts à la barigoule. Il y en a déjà, ça fait un moment qu'ils me le demandent sur mes commentaires. Alors donc aujourd'hui, je vous fais la recette des artichauts à la barigoule. Vous allez voir, c'est très simple, mais bon, il y a la recette à faire. Alors pour cela, il vous faut, vous avez les ingrédients comme toujours, en début et à la fin de la vidéo. Comme ça, vous avez le temps de pouvoir les noter si vous voulez. Alors donc, en premier lieu, je vais vous faire voir pour, je me suis avancée, mais pour tourner les artichauts comme on dit, c'est-à-dire, c'est tout simple, il faut enlever les premières feuilles qui sont dures. Et vous les mettez à tremper dans de l'eau citronnée ou vinaigrée pour dire que le temps qui trempe, il ne noircisse pas, parce que c'est vrai que l'artichaut s'oxyde vite. Alors là, vous pouvez vous servir de petits artichauts poivrades qu'on appelle les petits artichauts violets là. Vous pouvez vous servir des artichauts violets un peu plus gros, style artichaut qu'on appelle chrysanthème, qui sont très charnus et très goûteux, et ou alors les artichauts blancs de style Bretagne, des macos. Tous les artichauts font pour faire cette recette. Là, bon, mais j'ai eu ces violets, ils ne sont pas super, super beaux, mais enfin, ça fera quand même pour faire la recette. Alors là, vous enlevez le haut des feuilles, qui est dur, bien sûr. J'ai un couteau, il faudra que je demande à mon époux de me le déguiser, parce que il en a besoin, il ne taille pas comme il devrait. Mais enfin, on va quand même y arriver. Voilà. Après, vous coupez par la moitié pour enlever le foin qui se trouve dans le cœur, vous voyez, là. Voilà. Et après, vous recoupez, donc vous coupez votre cœur en quatre. Maintenant, si c'est des petits artichauts poivrades, en deux, ça suffit de les couper, parce qu'ils ne sont pas gros comme cela, et voilà. Et là, vous enlevez le foin et hop, et vous les mettez à tremper, je vous le redis, dans de l'eau vinaigrée ou citronnée pour dire que le temps qui trempe, il s'oxyde pas. Et voilà, donc je vais enlever les feuilles, et là on va commencer la recette. Alors donc, j'allume ma plaque. Et je mets au fond de ma sauteuse un filet d'huile d'olive, que serait notre cuisine provençale sans l'huile d'olive, je vous le demande. Et en premier lieu, vous prenez des lardons naturés, pas fumés, que vous mettez à rissoler dans votre huile, là, et du thym. Je vais couper mon oignon. Enfin là, ça fait
l'équivalent de 2, hein, parce que il est gros. Enfin, vous voyez un gros ou deux petits, hein. De petits, de moyens, hein, quand même. Il faut quand même qu'il y ait un peu de matière et un peu de goût, hein, c'est... Je vais baisser un peu, parce que ça va un peu vite. Parce qu'il ne faut pas le faire brûler, hein, votre pour isoler. C'est comme l'oignon, après ça devient un peu amer, hein, c'est pas bon. Alors, juste doré. Ah, j'ai pas la dextérité des grands chefs là, hein, quand on les voit faire à la télé ou... C'est spectaculaire. Hein. Bon, maintenant, j'arrive quand même à émincer mes oignons, hein, même que ça soit un peu moins. Alors, je vais redonner un petit coup. Voilà, là, mes lardons ont commencé à dorer. Alors, j'y ajoute mes oignons. Là, le second. Vous verrez, c'est pas compliqué. Et bon, bien sûr, il faut aimer les artichauts, hein, mais c'est très fin comme recette. Je peux monter un peu. La plaque. Et voilà. Voilà. Et là. J'y mets mon deuxième. Mon deuxième oignon. Et là, je fais revenir un peu doucement. J'enlève l'huile d'olive, j'en aurai plus besoin. Voilà. Ça sent bon. Et là, j'y mets mon bouquet garni. Je vous l'ai dit sur la recette des encornés, il vaut mieux mettre les herbes ou le bouquet garni juste quand vous faites, si vous avez à faire rissoler des oignons ou des lardons, n'importe, mettez vos herbes en même temps, ça fait bien ressortir les senteurs de vos herbes, hein. C'est que meilleur. Bon, alors on va laisser rissoler. J'ai pas mis d'ail, hein, vous avez remarqué, c'est lardon nature oignon. Et après, je vais y ajouter la tomate. Voilà, je laisse un peu, 2 minutes pour isoler. Il ne faut pas les faire quand même trop isoler, parce que, comme je vous dis toujours, après ça devient amer. Hein. Là, je crois que c'est bon. Oui. Voyez comment ils sont. Ils sont juste un peu dorés. Et là, j'y ajoute ma purée de tomates.
que j'ai fait en mixant les tomates fraîches, puisqu'il y en a encore, hein. Je la mixe, je mixe mes tomates, mais après je les fais réduire quand même, hein, pour que ça fasse une purée. Il n'y a pas toute l'eau des tomates, alors je peux tout y mettre. Hein. Parce que c'est quand même la tomate qui va vous faire le fond de la sauce. Hein. Et c'est vrai que c'est bon s'il y a un peu de sauce, hein, au fond, avec vos artichauts. Voilà. Là, vous touillez bien tout, que tout se mélange, se marie. Et là, vous y mettez du vin blanc sec, vin blanc pour la cuisine, hein, toujours pareil. Alors là, pas la bouteille entière, hein, encore un peu. Voilà, 20 centilitres à peu près. Et là, tout se mélange. Alors, je vais y ajouter du sel. Je préfère y aller en plusieurs fois. Hein. Et du poivre. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, dans le bouquet garni, j'ai mis du thym, du laurier et deux ou trois branches de persil frais. Voilà, et là, ça mijote, vous voyez. Voilà. Alors là, je vais y mettre mes artichauts que j'ai triés ce matin. M'avancer. Voyez, en les mettant dans l'eau, là j'ai mis du vinaigre pour éviter qu'ils ne noircissent. Je vais baisser un peu. Voilà. Et c'est tout. Là, ça va mijoter. Bon, je vais y ajouter, bien sûr, les artichauts. Je les laverai sous l'eau fraîche, comme j'ai fait à cela. Et puis, je les ajouterai. Et c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait une jolie potée et d'artichauts à la sauce tomate avec des herbes. Et voilà. Et donc là, vous le faites cuire à couvert, doucement. Je vais baisser le... Voilà, à mijoter pendant une heure à peu près pour que vos artichauts soient tendres. Maintenant, si vous le faites à une saison où il n'y a plus d'artichauts comme à l'hiver ou quand ils sont très chers ou comme ça, vous pouvez vous servir de cœur d'artichaut congelé. Et à ce moment-là, la cuisson est encore plus rapide puisque vos artichauts sont déjà cuits par la congélation. Mais vous faites la même recette et vous pouvez très bien vous servir d'artichauts congelés. Mais pas les fonds, hein, c'est les cœurs d'artichauts. Hein, voilà. Voilà la recette des artichauts à la brigoule. Alors là, je couvre. Bon, après, j'y ajouterai. Je ferai l'autre et j'ajouterai mes artichauts que je vous ai fait voir pour les nettoyer. Et là, une heure à petit feu. On se retrouve à la fin de la cuisson pour que vous voyez le plat terminé. À bientôt. Voilà, alors une heure se sont écoulées et à petit feu là, vous voyez.
Alors que je vous dise, en cours de cuisson, il a fallu que j'ajoute à peine un petit peu d'eau parce que la tomate était un peu trop réduite, il n'y avait pas assez de jus pour faire cuire les artichauts. Alors, pour bien vérifier que vos artichauts sont cuits, vous plantez avec la pointe du couteau, là, dans le cœur. Et quand ça perce, c'est que c'est cuit. Voilà. Alors, vous voyez, tout c'est bien mélangé. Et là, il ne me reste plus qu'à le vider dans le plat dans lequel je vais le servir. Voilà. Alors là, je vais lever le bouquet garni. Je ne vais pas le laisser parce que c'est pas très, très joli. Voilà. Et voilà mes artichauts à la barigoule. Vous l'avancez. Et voilà, voyez. Et je vous assure, c'est aussi bon que joli. Alors donc, merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, j'espère que vous allez le faire. Merci pour vos commentaires et à une prochaine recette très bientôt. À bientôt! Thank you.